find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul maxi de Teddy. Comme vous le savez, j'ai été chez Action, en vacances à La Rochelle la semaine dernière, je suis parti le 26, je suis revenu hier, donc hier nous étions le 2, le 26 quand on est parti et qu'on est sorti de l'autoroute, on est tombé sur un Teddy, chose que moi je n'ai pas chez moi, dans l'Oise on n'en a pas. Alors du coup, je suis tombé sur des petites bricoles bien sympathiques. Et j'ai fait ma petite réserve de Teddy, étant donné que je suis pas prêt d'y retourner, hein, soyons clairs. Maman me disait qu'il y en avait un au Mans. Donc quand j'irai chez ma soeur, j'irai faire un tour chez Teddy. Donc voilà. Alors, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ces deux petits paquets de die cut à 75 centimes. Du coup, j'y suis allé le 26 en arrivant. Donc après, je suis pas retourné à Teddy parce que le Teddy était quand même à 50 km de La Rochelle. Donc on n'y est pas retourné. Après, on a été chez Action. Donc j'ai 2-3 bricoles de chez Action. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment purement Teddy. Donc ça, c'était le vendredi qu'on a acheté tout ça. J'ai trouvé, ils étaient à 1 euro, mais ils étaient soldés à 75 centimes. Donc il y en avait deux, j'ai pris les deux. Alors du coup, ce que j'aime beaucoup dans ce... Pour être honnête, j'ai déjà commencé à faire la vidéo, mais il faisait tellement chaud dans ma véranda. Enfin, je voulais les donner sur le téléphone, du coup ça coupait systématiquement. Du coup j'ai dû l'arrêter. Donc ça, des petits mots. Alors vous avez beaucoup de petits mots. Alors les petits mots, je vais les mettre dans une boîte. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je... Je verrai si je peux pas faire la traduction et la mettre en dessous, comme ça je saurai. Puis voilà. Là vous avez encore plein de mots. Toutes les petites étiquettes rectangulaires, c'est des mots de couleurs différentes. Là vous avez un hashtag avec un 1, une petite camionnette, un appareil photo, une feuille, un fer à cheval que je devrais peut-être envoyer à Jade. Je vous expliquerai après pourquoi. Un papillon, une fleur, un poste, un étiquette bingo, des étiquettes comme ceci, ça, encore des mots, mais moi je vous dis les mots, je vais les mettre à part. Un cercle avec des notes de musique, ceci, encore un mot, une étiquette avec des nounours, du feuillage, ça, et là vous pouvez enlever les morceaux. Donc voilà, ça fait comme je sais plus trop le nombre de mots, ça me revient pas là. Des mots en rose, amazing, love, des signes ruches, la démo, tout D. Ici, vous avez des abeilles, une boîte avec un ticket, un autre ticket, un cercle avec un texte. Ici, vous avez encore des mots. Je vais les mettre de côté parce que je vais les mettre ailleurs. L'étiquette, encore des mots, un papillon jaune. L'étiquette, encore un fer à cheval, je pense que je vais finir par l'envoyer à Jade. Une valoche, ça, un nounours, une étiquette, ceci, et une étiquette comme ça, et une étiquette comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le dernier soir où on était avec elle à La Rochelle, elle a été à un spectacle au vieux, pas loin du vieux port à La Rochelle, et elle s'est fait tirer sa trottinette électrique. Voilà. Donc là, c'est bataille avec l'assurance parce que, quand elle l'a assuré au mois de novembre, la trottinette à 6 mois, je tiens à le préciser, elle l'a acheté à Noël avec ses petits sous d'anniversaire et de Noël. Voilà. Je veux dire, c'est une étudiante, elle n'a pas beaucoup de fric, moi je peux pas l'aider plus que ce que je peux faire. Et du coup, elle s'est achetée cette fameuse trottinette. Et je l'ai remis dedans. Et du coup, malheureusement, elle n'est pas assurée contre le vol. Donc, du coup, elle l'a dans l'os. La seule chose qui est compliquée là, c'est qu'en plus, elle n'arrive même pas à aller déposer plainte au commissariat de La Rochelle parce qu'il y a toujours du monde. Elle a fait une pré-plainte sur Internet. Et maintenant, il faut qu'elle attende qu'il la convoque au commissariat. Sauf que on a fait ça, c'est arrivé donc mercredi soir, on est vendredi, elle a toujours pas de nouvelles pour aller
finaliser sa plainte et arrêter l'assurance. Voilà. Donc, elle aimerait en racheter une. Peut-être, parce qu'elle est même pas sûre. Du coup, pour ça, ben, je veux voir, je pense, j'ai créé, hein, je le dis ouvertement, j'ai créé une cagnotte Litchi, sur la cagnotte Litchi, là, pour pouvoir éventuellement avoir une petite aide pour elle se racheter une trottinette électrique. Après, je vous dis pas ça pour que vous ayez participé, hein, mais si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos l'adresse de la cagnotte. Voilà. J'aimerais bien qu'elle puisse en acheter une parce que Jade subit un harcèlement scolaire. Donc, je suis allé voir le proviseur. Donc, ça devrait être réglé. Et la trottinette lui a enlevé une sacrée charge morale, ne serait-ce que pour pas être en retard au lycée si elle loupait son bus. Et elle a vraiment pas besoin de ça aujourd'hui. D'autant qu'elle va commencer les épreuves bientôt. Et c'est vrai que sa trottinette, ça lui donnait une petite sécurité. Et c'est pour ça que j'ai créé une cagnotte. Après, j'ai créé la cagnotte Litchi, c'est pour la rassurer. Maintenant, avoir des sous, genre, franchement, je ne pense pas qu'elle aura quoi que ce soit dessus, mais ça l'a, comment dire, ça lui a fait du bien que je la soutienne aussi dans cette épreuve. Enfin, voilà. Donc, je suis revenu de La Rochelle, peut-être encore un peu plus stressé que ce que j'étais déjà quand j'y suis allé. En plus, j'ai appris pas mal de choses là-bas qui, si vous étiez maman d'une enfant harcelée, si vous appreniez certaines choses, je pense que vous aussi, vous seriez sous médoc, mais bon, voilà, enfin bref. Donc, on va passer à notre rôle, on va continuer et on va passer à autre chose. Donc, ensuite, ça c'était la petite parenthèse, Qatar de La Rochelle. Sinon, par ça, notre séjour s'est super bien passé. Hormis ce petit point noir au cours de ce séjour. Ensuite, à 1 euro, j'ai trouvé ce lot de 9, il y en a peut-être même plus que 9, il y en a 12. 12 fleurs, voilà, c'est des stickers aussi, vous voyez, elles sont super mignonnes, je trouve, il y en a 4 roses, 4 argentées avec le cœur rose et 4 roses foncées comme ça avec des points blancs, voilà, ici vous avez ce petit set de 118 pièces pour 1 euro, mais 118 pièces avec les demi-perles, hein. J'aurais préféré que ce soit 78 pièces que ça. Je les trouve super canons. C'est très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont en relief en plus. C'est super sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ça, les 14 lignes pour 1 euro. Mais moi, je vais les découper pour comme ça, bah, on mettra au fur et à mesure. Elles sont bleu ciel. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris les poissons comme ceci. Ils vous disent 27 pièces. C'est de l'arnaque parce qu'en fait, il n'y a que 6 poissons. Et tous les 27 pièces, c'est le reste là. Les petits pois bleus. Alors ça, c'est un peu limite. Hein. Mais bon, je l'ai pris parce que j'ai trouvé les poissons plutôt jolis pour 1 euro. Ensuite, j'ai pris deux paquets comme ça. C'est les abeilles à 1 euro aussi. Que je trouve super mignonne. Donc 15 pièces. Et là, c'est pareil, vous avez que 6 abeilles. Donc... 12 abeilles au total et le reste c'est que les petites fleurs argentées. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris les chats comme ceci. Je suis un peu prise parce qu'on a été faire du bateau la dernière journée. Avant que Jade aille à son spectacle, on a fait un tour en bateau. On a été jusqu'au Fort Boyard et c'est pas très très beau. Et pourtant j'avais le cou protégé par une écharpe et tout, mais je pense que j'ai quand même attrapé froid. Ici, vous avez des chatons, des petits chats, 24 pièces de chat. Voilà. Ici, vous avez des fleurs. Vous avez 140 pièces avec les points. Vous avez moins de fleurs, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai retrouvé ce paquet de Daikel. Par contre, ah, c'est des stickers. Par contre, ça m'embête fortement. Mais je vais les ouvrir quand même. Ouais, c'était des die-cut, mais non, c'est des stickers. Donc là, vous avez une Jeep, des lunettes, un œil, un panier avec une lune, un vélo, la vague, la montagne, un dauphin, un ananas, un valise, ouais, une clé de sol, un ballon de basket, un papillon, des baskets, un avion, des vagues, un mou, une baleine, un ours, une vague, c'est la vague,
ta fameuse bague, vous savez, elle est sur un tableau, ça, puis derrière, vous avez le mont Fuji ou un truc du genre. Là, vous avez, attention, nageur, une tortelle, un mou, une patoune et un Astax. Ah, c'est excellent. Donc ça, c'est des stickers. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a 25 pour 1 euro. Pardon. Ensuite, oui, voilà. Ensuite, j'ai pris la même chose avec les fleurs. Donc vous avez des nénuphars, des fleurs comme ça, un dauphin, des lys. Ah bah c'est la période en plus, j'en ai dans mon jardin. Je pourrais faire un truc avec ça en fait. Une fraise violette, des baskets, une bouche, un ballon, un nounours ballon, un nuage avec des pluies violettes, une guitare, une planète, un dos de chat, un bateau, une fleur, un papillon. J'ai failli rigoler, faut que je me retienne. Un ananas, une fleur. Un éclair. Ah, une cox. Trop bien. Elle est trop mignonne. Ça, c'est des pierres. Hein. Joy. Une tortelle, un cœur violet, une palette et encore un Astax. C'est trop bien. Ensuite, c'est celui-ci. Un renard. Un lémurien. Une perruche. Une abeille. Un chien. Un petit singe. Un nounours. Un caniche. Un écureuil. Un renard. Un autre chien. Un boubou. C'est le Wilson, c'est le chien, ma soeur. Une coccinelle. Un chouchou, un chat, un teckel, un kangourou, un lama, un éléphant, un Saint-Bernard, un ouistiti, un hérisson, encore un labrador, un koala et un petit charou. Ils sont trop mimes. 24, 25 encore de stickers. C'est que des stickers de 25 pièces. C'est cool, hein. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, je sais que j'ai ma nièce qui est fan de stickers. Ça va éviter de lui montrer, hein. J'en ai ramené tout un bouquin. Avec, je ne sais pas combien de stickers sont dans le livre. Donc, on devrait être tranquille pour un moment. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est très joli, des ustensiles de cuisine. Je sais pas si je voulais faire en une ou en deux vidéos parce que là franchement il y a ce qu'il faut, c'est pas fini. Voilà. Ensuite j'ai trouvé ces stickers, ceux-là. Donc ça, il y a combien de pièces? 12 pièces. Là il y a 36 pièces parce qu'il y a deux feuilles identiques à ça. Donc là vous avez des papillons, des tulipes. C'est des fleurs de saison, j'adore. Et c'est des stickers, donc c'est génial. Je vais faire une créa avec. En plus, de toute façon, je te reprends, mais un jour, un collage. Je suis revenu, donc voilà. Et vous avez celui-ci, qui est plutôt cool. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, là, il n'y en a que 30. Là, il y en a 36. Et pareil, vous avez deux feuilles, du coup, dedans. Ça, c'est top. Hein. Ils sont trop jolis. Je vais les mettre là, comme ci. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ce sont des fleurs. Je sais pas si vous allez voir bien avec le plastique. Ça, on a l'impression que c'est des petites fleurs métalliques qui ont été trempées dans un truc et c'est resté collé après. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Vous avez 8 pièces. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des instruments de musique. La guitare. L'harpe, elle est super belle. Le violon. Ça, c'est un accordéon. Ça, c'est un poste. Caisse claire. Et puis ça c'est le tam-tam. Et ça c'est une caisse claire aussi. Non, ça c'est ça, la caisse claire. Bon, en même temps les deux c'est la caisse claire. Voilà. Et ici vous avez ça, des mots. Donc ça j'en ai pris deux comme ça. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux, mais je l'ai trouvé mignon. Alors du coup j'en ai pris deux. Avec un toucan, une perruche, un aigle, un
perroquet, un canard, un chouette, une chouette, un zibou, mais je suis pas sûr, c'est peut-être l'inverse. Un pigeon, un flamant rose, un cygne, un saturnin. Vous connaissez le dessin animé Saturnin? Ça, c'est toute mon enfance, hein. Un pouce, un petit canard jaune. Ici, ça a l'air d'être encore une perruche, et là, je sais pas ce que c'est par contre. Je connais pas cet animal. Donc, il y a 13 pièces. Ensuite, j'ai pris ces papillons, pareil. 4, 13 pièces. Ils sont trop beaux. Là, j'ai pris des poissons parce qu'en fait, je vais faire un album. J'ai déjà commandé le papier sur Craftelier, donc je ne vais pas t'attendre à l'avoir. J'ai commandé des albums pour faire un album à maman sur notre séjour à La Rochelle. Et comme on a été visiter l'aquarium, j'ai pris ça pour y mettre dans son album. Je les trouve plutôt mignons. Je sais pas ce que vous en pensez, ils sont beaux. Hein. Donc il y a 14 pièces, j'ose espérer que j'en ai assez. Mais de toute façon, ça, je vais le mettre que sur les pages où on va faire où je mettrai les photos d'aquarium. Ce sera plutôt pas mal. Là, il y a Dory, là, il y a Nemo. Trop bien. Ils sont trop mignons. Là, il y a un requin. Bonjour, c'est Bruce. Bonjour, Bruce. Là, vous avez des trucs très girly qui ne me ressemblent absolument pas. Avec des shakers. Elles sont trop mimes. Regardez. Là, vous avez une boîte de lait, encore une boîte de lait. Ici, une ampoule, une espèce d'ampoule. Là, vous avez une jarre. Encore une jarre, une ampoule. En fait, c'est que des jarres, j'ai l'impression. Et le reste, c'est des boîtes de lait. Avec ça. C'est marrant. À 1,75€. Ici, pareil, vous avez un pistolet, le mic, le téléphone, une jarre, un cœur. J'ai mal à mon oeil. Une cassette, pour ceux qui ont connu. Un ticket, les baskets, la machine à la Vex. Une fraise, une basket et encore une fraise. Ici, vous avez 32 pièces, encore des petits papillons. Alors pareil, j'en ai pris deux. Bon, ça fait très enfantin. Par contre, maintenant que je les regarde bien, je trouve que ça fait un peu enfantin. Mais je pense que je pourrais mettre certains trucs quand même dans l'album. Quand même. Ne serait-ce que les étoiles de mer, alors. Le reste, oh, je l'avais pas vu. Le reste, je sais pas. Je donnerai peut-être à une de mes nièces, je sais pas, je verrai. Ensuite, là, vous avez, j'ai trouvé 6 fleurs pour 2€. Bon, ça fait cher pour ce que c'est. Mais, c'est des tournesols un peu fanés. Mais j'ai trouvé ça trop beau. Voilà. Elles sont trop belles. Elles sont très grandes. Il y en a 6. Je suis retourné, ils en avaient pas remis. Sinon, j'en aurais repris malgré tout un paquet. Et elles sont un peu, elles sont un peu fatiguées, leur tournesol quand même. Mais bon, j'aime bien. Planche de stickers, 6 stickers. C'est plutôt joli. Et ça, j'ai eu ça chez Teddy. Ensuite, on continue dans la stockboard. J'ai trouvé ceci. 269 stickers à 1,55€. Je vais peut-être l'ouvrir, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer, non? Vous avez un carton en donnant les dames en dessous, mais là vous avez les papillons avec le zouzou que vous avez. Là vous avez tout ce qui est petit déj, 4 heures, cupcake et tout le tout type. Ici vous avez les abécédaires que j'utiliserai peut-être pas. Ici vous avez des fleurs avec ça. Ici vous avez des timbres. Et ici, vous avez des yeux avec une maison. Voilà. Et ça, c'est 1,55€. Je sais pas si je vais le remettre dedans. Attendez. Hop. Et ensuite, biscuit. Je vais pas réussir à le remettre. Comme vous voyez, on va mettre là. Ici, j'ai trouvé des planches de tampons. Donc, ici, j'ai trouvé
à 2 euros, il y a 27 tampons. Des mots, moving, new home, worth moving, une maison. Une maison qui fait plus étiquette en fait. Une maison, des petites voitures, just move it, une clé, une petite portillon, des arbres, un mobilier urbain, enfin un lampadaire quoi. Une maison, des petites nuages, des petites barrières, des arbres. Celui-là, je l'ai trouvé plutôt mims. Et je vous dis, ça fait penser à faire une étiquette, vous voyez. C'est plutôt sympa. Celui-ci, c'est pour les anniversaires. Regardez, vous pouvez faire tout le gâteau. Je le trouve plutôt sympa. À 2 euros. Happy birthday. The cake to you for with enjoy. Make a wish. Et ici, vous pouvez faire des glaces avec des petites paillettes et tout. Ah ouais, si, franchement, j'ai trouvé ça juste génial. Là, les bougies. Là, vous pouvez venir en tamponner ça à l'intérieur de votre bougie. C'est top. Non, c'est très très bien. J'aime beaucoup. Paquet cadeau et tout, et là vous avez un tag trop bien. Et le dernier, c'est plus sur la pharmacie. Alors, je crois que j'en ai vendu un il y a pas longtemps sur Vinted en plus. Le truc sur la formation et l'ambiance, je crois. Je suis pas sûr, mais bon. Là, vous avez un grand pansement, mais c'est pareil. Ça fait un temps. Moi, c'est plutôt ça que j'ai utilisé pour faire une étiquette. Voilà. Là, vous avez les pilules, la boîte à médicaments. Là aussi, avec des tickers, regardez, c'est trop mimes. Un pansement. Un thermomètre, ça c'est des fleurs, ouais, c'est pas mal. Ouais, les fleurs, quand on est malade, c'est pas forcément agréable. Donc là, vous avez sur celui-ci 27 tampons, ici vous en avez 38, et ici vous en avez 26. Voilà, et le dernier truc que j'ai pris chez Teddy, c'est ça à 5 euros, parce que vous voyez, c'est les mêmes styles que chez Action, mais à la différence de chez Action. C'est que c'est que des pages épaisses. C'est que des pages épaisses. Voilà, c'est que des pages épaisses. Vous avez noir, craft et blanc. Mais par contre, il n'y a pas une page fine. Il n'y a pas de page de 80 grammes. C'est des pages de 170 grammes et 250 grammes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez 60 feuilles. C'est voilà, 10 de 170 grammes et 10 de 250 grammes de chaque feuille à chaque fois. Donc là c'est 170 et les dernières, celle-là, c'est 250 grammes. Donc ça c'est plutôt bien. Donc je me suis pris ça parce que je me suis dit, ça me fera toujours un bloc de papier en plus. Voilà, avec des feuilles et tout. Donc ça c'est chez Teddy. Voilà, et je pense que je vais arrêter là et je vais en faire une deuxième avec les trucs de chez Action. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas envie de faire les deux vidéos sur la même parce que là il y a déjà 22 minutes 30. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit haul Teddy vous aura plu. Je suis désolé de vous avoir parlé de la trottinette de jeunes, mais en fait ça me contrarie vraiment beaucoup. J'espère que ça va s'arranger pour elle, qu'elle va pouvoir les déposer bientôt au commissariat pour qu'on arrête son assurance. Ça, ce serait déjà une bonne chose. Parce que même si c'est que 9 euros, c'est toujours trop cher. Surtout quand on n'a plus l'objet. Et puis voilà quoi. Bon, bah écoutez, parce que de toute façon, finalement, ils veulent pas l'arrêter sans le dépôt de plainte. Sinon, je suis obligé d'attendre la date anniversaire de la trottinette. Et je pense que d'ici là, peut-être avec de la chance, on passe les doigts pour elle pour que ça tourne. Parce que alors, la trottinette, la dernière fois, elle met un truc dans son sac, dans la même soirée, hein, elle met le truc dans son sac, elle rentre chez elle, ça va exploser dans son sac à dos. Là, elle va faire des commissions, elle va faire des courses, pardon, aujourd'hui. Le TPE de la vendeuse, il a merdé, sa carte bloquée, elle est obligée, ils sont obligés d'en recommander une à BNP. Et en plus, le problème qu'il y a, c'est que sa carte arrive dans l'Oise et il faut que je lui envoie dans le... En charge maritime. Donc tout va bien. Je ne sais pas comment. Franchement, elle a la poisse en ce moment. Je vous raconte même pas. Enfin bref, changeons de sujet. On va faire le haul action juste après. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort. J'espère que vous êtes contente de me retrouver parce que moi oui, ça va me faire du bien de refaire des vidéos. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.